Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à mon habitude, les toutes dernières applications qui sont tombées sur notre Google Home. Je vous les partage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez bien à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo. Ça améliore notre Google Home, ça lui donne encore plus de fonctionnalités. Alors on va pas s'en plaindre. C'est parti donc pour la vidéo. Des nouvelles applications sur Google Home. On va commencer par une application jeu qui va certainement ravir pas mal de gens. Et cette application va vous permettre de jouer aux cartes, parler avec jeu de cartes plus haut ou plus bas. Très bien, je vous mets en relation avec jeu de cartes plus haut ou plus bas. Bienvenue au jeu de cartes plus haut ou plus bas. Voulez-vous commencer un nouveau jeu ou quitter ? Commencer un nouveau jeu. La première carte est 9 des diamants. La prochaine carte sera-t-elle de valeur supérieure, inférieure ou égale ? Supérieure. Désolé, c'est incorrect. La carte est 8 de pique. Votre dernière série est de 0 cartes avec un score de 0 points. Voulez-vous commencer un nouveau jeu ou quitter ? La première carte est 2 des cœurs. La prochaine carte sera-t-elle de valeur supérieure, inférieure ou égale ? Supérieure. Correct. La carte est 7 de pique. Vous gagnez 4 points. Quitter. Au revoir. Vous allez pouvoir jouer aux cartes avec jeu de cartes plus haut ou plus bas. On continue donc dans les nouveautés des applications. C'est parti. On va se rendre du côté de Toulouse et on va demander à notre Google Home de parler avec Transport Toulouse. Bien sûr, voici Transport Toulouse. Bienvenue, je peux vous donner les prochains passages aux arrêts de transport en commun à Toulouse. Dites-moi l'arrêt où vous vous trouvez. Voici les prochains passages à l'arrêt AR en fonction des trois différentes destinations. En direction de Labège-Coudé, les prochains passages sont dans plus de 2 heures, puis à bientôt. Voilà donc, avec un smartphone, vous allez pouvoir avoir les horaires des bus sur Toulouse, savoir à quel moment tel ou tel bus va pouvoir passer. On passe donc tout de suite à la troisième application. Et ici, on va parler de foot. FIFA Maniaque. Très bien, je vous mets en relation avec FIFA Maniaque. Bienvenue dans jeu de fiches d'apprentissage amusant. Faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème football. D'accord pour lancer la partie ? Oui. Très bien. Question numéro 1. Combien d'équipes ont remporté la Coupe du Monde depuis sa création en 1930 ? 8. Joli travail. Passons à une autre question. À bientôt pour continuer l'entraînement. Voilà, donc si vous aimez le sport, si vous aimez le foot, FIFA Maniaque va vraiment vous plaire. On passe donc à la suivante, c'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez le langage C, donc un langage informatique? Et on va tout simplement demander à notre Google Home, C langage quiz. Ok, je vous mets en contact avec C language quiz. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer C language quiz avec vous. Ok, on y va. Inspirez profondément, c'est votre première question. Dans l'instruction switch, chaque valeur d'instance doit être --. Symbole spécial ou variable. Variable. Super, trop facile. Demandez-lui tout simplement à parler avec ses language quiz. On passe tout de suite à la suivante. On va parler avec le son d'un bébé. Ok, je vous mets en contact avec le son d'un bébé. Je vais vous faire écouter les sons d'un bébé souriant. C'est sûr que certaines applications sont pas forcément très intéressantes, mais j'essaie quand même de vous mettre toutes les applications qui sortent actuellement sur le Google Home pour que vous puissiez savoir ce qu'il se passe dans notre Google Home. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description tous les noms des applications que l'on a parlé dans cette vidéo. Un jour dans l'histoire du rock.
Bien sûr, voici un jour dans l'histoire du rock. Bonjour amis rockeuses et rockeurs, paru le 30 octobre 2006, Endless Wire est le 11e album studio du groupe de rock britannique The Who. Il s'agit de leur premier album depuis It's Hard en 1982. Un jour dans l'histoire du rock va vous donner plusieurs informations sur ce qui s'est passé justement dans l'histoire du rock. Vous allez certainement découvrir pas mal de choses à ce sujet. On va continuer dans le monde du jeu et on va demander Jeu du Pendu. Ok, je vous mets en contact avec Jeu du Pendu. Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à jouer au Jeu du Pendu? Si vous ne connaissez pas les règles, demandez-les. C'est bon, j'ai un mot en tête. Il fait 8 lettres. À votre avis, quelle lettre compense mon mot mystère? E. La lettre E est présente un fois à la 8 IE accent aigu ME position. Essayez donc une autre lettre ou bien de deviner le mot mystère. Bip, vous avez perdu, le mot était tapotage, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous n'allez pas rester sur une défaite, on en refait une? On s'est bien amusé, j'espère rejouer avec vous prochainement, au revoir. Et on va demander à notre Google Home parler avec Petit Bateau. Très bien, je vous mets en relation avec Petit Bateau. Bienvenue à bord de Petit Bateau, je peux vous proposer une histoire à écouter avec vos enfants, ça vous dit? Oui. Chouette, alors, plutôt de l'aventure, des animaux ou des copains? Des animaux. Parfait, je peux vous proposer la Tanzanie, c'est loin d'ici, ça vous va? Oui. Super, c'est mon préféré, Amélie, à toi de lire. Bien le bonjour les matelots, j'espère que vous êtes bien installés. Quand je vous poserai des questions, vous pourrez quitter le compte en répondant « Quitter, on y va ?» Dans un petit coin d'Afrique, vivent de drôles de loustiques. Cinq amis jouent près d'un baobab centenaire. Et... voilà donc Petit Bateau, l'application qui va vraiment ravir vos enfants et qui va aussi certainement vous ravir car en leur donnant ces histoires, vous allez pouvoir faire d'autres choses à côté. On va donc continuer avec une application interactive et cette application, vous allez certainement la connaître. On est tout de suite parti pour de nouvelles aventures. Parler avec Ondelat Interactif. Très bien, je vous mets en relation avec Ondelat Interactif. Tiens, en revenant. La dernière fois que nous nous sommes parlé, nous avons été interrompus en plein milieu d'une histoire. J'ai hâte de vous raconter la suite. Allez, c'est parti. Vous demandez quelle histoire j'ai en stock pour vous aujourd'hui? Eh bien, voici mes propositions. Ginka, la morte qui n'intéressait personne. L'affaire Violette Nozière. L'affaire Gaston Dominici. L'affaire Gaston Dominici. J'espérais bien que vous vous laisseriez tenter par cette histoire. Je vous la raconte. Europe 1. Ondelat raconte. Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Ondelat raconte, Ondelat sur Europe 1, c'est sur votre Google Home. On passe tout de suite, car oui, il y a vraiment beaucoup d'applications aujourd'hui, et on passe tout de suite à la suivante. Alors, pour les amoureux du cinéma, on a l'application UGC, et vous allez pouvoir avoir différentes informations sur les films qu'il va y avoir autour de vous. On demande tout de suite à notre Google Home, parler avec UGC. Ravi de vous revoir. Vous pouvez consulter les séances des cinémas. Et réservé si vous êtes abonné UGC illimité. Dans quel cinéma souhaitez-vous aller ou quel film souhaitez-vous voir? Paris Odéon. Quand souhaitez-vous voir un film au cinéma UGC Odéon? Samedi. Voici les films projetés le samedi 3 novembre dans le cinéma UGC Odéon. Bohemian Rhapsody. Cold War. En liberté. Dites-moi le film que vous voulez voir ou demandez-moi plus de films. En liberté. Très bien. À quelle séance souhaitez-vous voir en liberté? Il y a des séances à 10h30. Parfait. Si vous êtes abonné UGC illimité, vous pouvez réserver via cet assistant. Souhaitez-vous réserver au cinéma UGC Odéon pour voir en liberté le samedi 3 novembre à la séance de 10h30. Quittez. Merci de votre visite. Au revoir.
Voilà, comme vous avez pu entendre, si vous êtes abonné UGC, grâce à votre Google Home, vous allez pouvoir commander votre film, vos tickets et aller voir vos séances préférées. On passe tout de suite à la prochaine. C'est parti. On va tomber sur un jeu en ligne, des blind tests, etc., etc., des quiz. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Et cette application s'appelle Parler avec Kiddle Voix. Pour utiliser Kiddle Voix, vous avez besoin d'un compte Kiddle Voix. Pour en créer un nouveau, il me faudra simplement quelques informations. Si vous voulez plus de détails, dites simplement « en savoir plus ». Puis-je demander votre nom, votre adresse email et votre photo de profil à Google ? Oui. Êtes-vous d'accord pour finaliser la création de votre compte Kiddle Voix ? Oui. Parfait, je viens de créer un nouveau compte Kiddle Voix. Vous allez recevoir une confirmation par email. Bienvenue sur Quiddle, que voulez-vous faire? Lancez un quiz. Bravo, bonne réponse. Question suivante. On continue donc dans la suite de cette vidéo. Alors cette application va certainement en intéresser plus d'un. Hello Bank. Hello Bank est une application qui permet d'avoir ses comptes en ligne et grâce à votre Google Home, ça va être possible. On va tout de suite demander à notre Google Home parler avec Hello Bank. Très bien, je vous mets en relation avec Hello Bank. Hello, je suis Héloïse, votre nouvelle assistante virtuelle. Mon rôle est de vous accompagner et de répondre à vos questions. En quoi puis-je vous aider? Je vous invite à contacter la Hello Team sur le site Hello Bank pour obtenir une réponse. Je reste à votre service. Au revoir. Ceux qui ont donc l'habitude de consulter Hello Bank, vous allez maintenant pouvoir consulter vos comptes grâce à votre Google Home. On va continuer ici avec cette application pour les parents et pour les enfants. Et cette application s'appelle Souffleur de rêve. Encore une application qui va vous aider à endormir vos enfants. Souffleur de rêve. Bien sûr, voici Souffleur de rêve. Bonjour, bienvenue dans l'univers de Souffleur de rêve. Chaque jour, je te propose 3 contes pour t'aider à bien grandir et à bien dormir. Aujourd'hui, tu as le choix entre Zéphirin, le magicien, Ilona, la petite elfe, Élise et le clown. Laquelle as-tu envie d'écouter? Tu as choisi Élise et le clown. C'est une de mes histoires préférées. Installe-toi confortablement, ça va commencer. Souffleur de rêve. Depuis la naissance de sa sœur Camille, Élise n'est plus la même. Donc c'est terminé. Il y avait dans cette vidéo vraiment beaucoup de nouvelles applications à vous présenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Toutes ces nouvelles applications sur le Google Home. Surtout, pensez bien à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !